Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de World of Tanks. Alors derrière nous on peut voir déjà le nouveau décor. Je suis rentré à peu de vacances, j'ai eu une mise à jour et la mise à jour m'a donné ça. Bon, c'est quand même pas mal, on voit là-bas un gros cuirassé, ici un avion qui décolle, des petits camions avec une Jeep et quelques-uns des plus gros chars qui existent. Donc, cette fois-ci, nous allons faire la vidéo du char premium tier 8 russe IS-6. Alors, j'aurais pu dire énormément de choses sur la série IS, mais malheureusement, ça gâcherait le plaisir quand j'aurais débloqué les autres chars IS. Donc, la série IS, et eh ben, en fait, c'est la série JS normalement qu'on devrait dire. Et eh ben, il y a quand même une petite histoire à dire là-dessus. Le problème, c'est que si je le fais sur celui-là, ben avec les autres, je ne pourrai plus rien voir, ce qui est assez dommage. Du coup, je ne peux pas vous faire profiter de l'histoire de la série JS ou IS, ça dépend si vous êtes français ou pas. Donc, je ne peux pas vous faire profiter de l'histoire de cette série de chars, car ça spoilerait le reste. Donc j'aurais raconté deux ou trois fois la même histoire, ça irait pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que le IS-6 est une modification du IS-2, qui avait donc un blindage de 120 mm à l'avant pour la caisse et 150 mm à l'avant pour la tourelle. Ça, c'était le IS-2. Alors ici, il y a une petite modification. Il est moins blindé, donc 100 de caisse et 150 de tourelle. Mais normalement, dans la réalité, il va plus vite et il y a une autre transmission. Donc le IS-6 ou JS-6, ça dépend si vous voulez faire ça de la manière russe, parce que en réalité c'est les chars Joseph Staline, donc ils ont pris leur nom. Et une fois que Joseph Staline est mort, avec le JS-10, si je me souviens bien, bah, c'est devenu la série T avec le T-10. Donc le JS-6 à une autre transmission. Donc en fait, c'est le prototype avec une boîte de vitesse électromécanique qui changeait énormément de choses. Le changement de vitesse était plus facile à faire et du coup, il ne perdait quasiment pas de vitesse au changement de vitesse. Voilà. C'est ça la grande supériorité du char IS-6. Normalement, il est censé aller plus vite aussi. Là, on voit 35 km/h. On va vérifier tout de suite avec le IS-2. Il est où le IS-2? Ah, il n'y a pas de IS-2? Non, c'est pas normal ça. Il est censé y avoir un IS-2 quelque part. Bon, j'ai vu le IS-1 ici, le IS-3. Le IS-8, le IS-7, d'ailleurs c'est pas normal que ça soit dans cet ordre-là. Normalement il est censé y avoir un IS-2. J'aurais dû vérifier sur le tableau ici, parce que j'ai un deuxième écran avec sur cet écran-là l'histoire du IS, mais je n'ai pas vérifié si le IS-2 était dans la liste des chars russes qui existe dans le jeu, ce qui est une petite erreur de ma part. Donc on a le IS-3. Allez, on va faire la différence avec la vitesse ici. Donc là on a 35 km/h pour à peu près le même blindage, donc ça ne compte pas vraiment. Et ici on est plus, ouais, mais c'est différent. Moi il me faut le IS-2. Bon bah désolé, apparemment il n'y a pas de IS-2. Ici, je vois le IS-4. Mais je ne vois pas le IS-2. C'est perturbant. C'est de la merde. Fuck. Désolé, je devrais pas dire ça. Je ne devrais pas dire ça. Bon, bah, tant pis, hein. Je dois aussi vous prévenir que je vais mettre temporairement en pause les séries sur... comment il s'appelle déjà? Allez, j'oublie déjà les noms, ça c'est horrible. Rome 2 Total War et l'autre là, je me souviens plus du nom. Je
pourrais vérifier très vite comme ça en fait. Watch Dogs, voilà. Donc la série sur Rome 2 et Watch Dogs, je les mets en pause pour le moment. Je vais me concentrer sur une série qui va me prendre la bonne partie de mon temps. Je n'oublie pas évidemment le World of Tanks, ça je vais continuer en même temps, en parallèle. Et donc je compte faire des vidéos sur le jeu. Darkest Tower, désolé, je suis un peu fatigué. C'est pour ça que j'ai du mal à me remémorer certaines choses. Donc je vais faire une série sur le jeu Darkest Tower qui débute en 1914. Tout simplement parce qu'on approche de la nouvelle du centenaire de la guerre 14-18 et du coup je veux commémorer ce moment avec vous. Bien. Alors, autre chose. Oui, bah maintenant on va reparler du char. Le char en lui-même qui, je trouve, est assez beau. Il est majoritairement en pente et vachement pentu quand même. Donc, normalement, il est censé rebondir un peu mieux, mais étant donné qu'il n'a pas un super fort blindage pour son niveau, la plupart du temps, ça va percer, surtout si vous visez en bas de la caisse ou les chenilles. Pour avoir plus facile à percer, je vous conseille de viser ceci. C'est très gros, c'est en plein milieu du véhicule et ça se perce beaucoup mieux que le reste du blindage. Évidemment, à l'arrière, ici, je vous conseille de viser les trappes de secours qui seront aussi plus facilement destructibles. Donc, sinon. Oui, il a normalement un blindage hypothétique ou non théorique, on va dire plutôt théorique, qui est plus élevé sur les angles. Donc ici, il est censé être plus résistant sur des angles comme ça, des arêtes comme ceci, les angles ici, là au-dessus, celui qui est en plein milieu là. Donc il est normalement plus résistant sur bien plus de côtés. Donc il faut faire très attention à essayer de limiter les tirs sur ces zones-là. La tourelle, ben, elle est majoritairement courbée, ce qui lui permet d'avoir, enfin, de rebondir plus facilement. Donc les obus rebondiront très facilement sur la tourelle. Et il n'a pas beaucoup... Enfin, vous aurez du mal à voir le R2-D2 ou la cage tourelle car elle est quand même très basse. Donc la tourelle est le point fort de ce véhicule. Il faut donc essayer de le cacher un maximum le bas en essayant d'arriver juste là. C'est très dur à trouver des endroits où il est caché jusqu'au début de la tourelle, mais il y a moyen. J'ai déjà trouvé une fois. Bah, c'est assez rare qu'on y arrive, mais à Alamein, il y a moyen. Et donc, laisser seulement la tourelle à découvert et pouvoir massacrer l'ennemi avec cette tourelle. Parce que le canon fait quand même de gros dégâts. Alors, points de structure 1550. Du coup, bah, c'est des points de structure assez raisonnables pour un niveau 8. Je trouve que même que c'est excellent. Comparé au T-34, bah, il y a 50 points de structure en plus. Et en sachant que le T-34, à mon avis, est ma pièce maîtresse au niveau de la résistance. Ah non. Le low est encore un peu plus résistant, mais le low c'est un allemand. Il faut pas comparer. Donc pour un russe, c'est quand même assez résistant. Le poids, on s'en bat les steaks, j'ai envie de dire. Enfin, sauf si ça vous intéresse, il y a quand même moyen de mettre quelques équipements dessus sans causer de surpoids directement. Il a 700 chevaux moteur, donc une puissance moteur assez bonne. Ici, il y a plus de puissance moteur pour une même vitesse, mais normalement, il pèse plus lourd. Oui, voilà, 20 tonnes en plus, c'est quand même pas rien. Donc, niveau moteur, il est très adapté à son blindage et donc à son poids. 35 vitesses. Oh là là. 35 km/h de vitesse max, c'est assez raisonnable. Un niveau 8 char lourd,
C'est quand même une bonne vitesse pour ce niveau-là. Alors, vitesse de rotation 26 degrés secondes, c'est un peu léger, je trouve. J'aime bien quand mes chars tournent vite et sont très précis. À ce niveau-là, les deux ne sont pas excellents, étant donné que la précision de ce canon est médiocre, 0,46 mètres par 100 mètres. C'est vraiment médiocre et une cadence de tir aussi très faible, 5,13 coups minute. Donc le blindage caisse 100-160 pour avant flanc arrière, 150-150-100. C'est pour la tourelle, donc la tourelle très résistante et avant bah, la caisse, c'est un blindage pas énorme énorme, je crois que c'est digne d'un char moyen, voire d'un petit char quoi. Le char lourd français qui est extrêmement rapide est limite plus blindé que ça. En tout cas, de l'avant, il est plus. Maintenant, sur les côtés et sur l'arrière, il est moins. Ah non, seulement sur les côtés. Donc voilà, le blindage de la caisse n'est pas terrible. Enfin, il vous fera pas grand-chose pour pouvoir percer. Donc, niveau dégâts d'obus standard, 293 à 488 de dégâts d'obus standard. Et 131 à 219 mm de pénétration, ce qui en fait une bonne arme pour pénétrer, mais hélas, à cause de sa mauvaise dispersion, il faudra généralement être suffisamment près des ennemis pour pouvoir le toucher et lui infliger des dommages considérables. En sachant ça, il faut aussi prendre en compte que le rendement de tir n'est pas suffisant à mon goût pour pouvoir en faire une bonne arme au corps à corps. Du coup, il faut justement doser ou alors attendre énormément de temps que la dispersion diminue au niveau visé. Sinon, on a donc 5,13 coups minute, comme je venais de le dire, 24 de degrés secondes de vitesse de rotation de la tourelle, ce qui n'est pas excellent non plus. On pourrait favoriser une vitesse de rotation de la tourelle et de la caisse beaucoup plus grande pour favoriser une meilleure utilisation du véhicule. Donc là, je trouve que l'utilisation du véhicule ne sera pas optimale à cause de sa vitesse de rotation et sa vitesse de rechargement. S'il avait une vitesse de rotation plus grande, une vitesse de rechargement plus grande, alors ça ferait un très bon char de corps à corps. Alors, ici, on a une portée de vue de 350 mètres et une portée radio de 440 mètres, ce qui en fait quand même un bon char au niveau visuel et portée radio pour maintenir le contact avec les alliés. Bien, voilà, donc cette vidéo va maintenant arriver dans sa deuxième étape. Nous allons faire une ellipse et nous retrouver sur le champ de bataille. Je vous dis à tout de suite après l'ellipse. Voilà, l'ellipse est terminée, donc nous sommes en mode percée fulgurante dans une map que je suis censé connaître, mais je m'y retrouve pas du tout. Ils ont changé le design apparemment dans la dernière version. Il est franchement bien foutu. Il y a des combres un peu partout, les grandes fumées des combats se voient au loin. Le décor a donc fortement changé et est pas mal du tout. Malheureusement, je risque de ne pas m'y retrouver tout de suite parce qu'il a fortement changé, surtout au niveau des dénivelés du centre de la map. Donc ça risque d'être assez compliqué pour moi, mais je vais m'arranger avec. Donc, théoriquement, je devrais ne pas, enfin, aller au plus près de l'ennemi, mais étant donné que nous sommes de ce côté-ci, je vais favoriser donc l'ascension de cette petite montagne qui me permettra d'avoir un meilleur visuel sur l'ennemi et pouvoir me cacher plus facilement. J'ai vu des avions nous survoler, donc ils ont rajouté un peu de RP, j'ai l'impression. On pourrait vraiment faire des histoires maintenant avec ce qui se passe sur le champ de bataille en vidéo, ça peut être extrêmement bien. J'ai l'impression aussi qu'ils ont amélioré la sono parce que dans mon casque,
Le boom du tir là-bas résonnait bien, ça faisait un écho plutôt réaliste, ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, on va falloir voir quand je vais tirer pour voir ce que ça donne. J'espère qu'ils n'ont pas changé les statistiques théoriques en partie de certains chars, parce que franchement, pour l'instant, je les trouvais assez bien dosés. Nous avons un niveau 9 en face, un WZ120. Je ne ferai normalement pas le poids avec mon IS-6 ou JS-6, c'est comme vous voulez. La façon russe, le vrai nom, c'est JS-6 parce que c'est Joseph Staline type 6. Maintenant, on a avec moi un IS-3. S'il y en a un qui peut le maintenir de l'avant, donc lui normalement il a un meilleur blindage que moi, s'il pouvait le maintenir de l'avant le temps que je fasse le tour de l'ennemi pour pouvoir le pilonner, ça pourrait fortement nous aider. Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça, en espérant que l'ennemi ne sort. Merde. Il y a un Tiger juste en face. Je crois que je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas. Faudra vérifier. C'est à vérifier. J'aimerais bien me mettre dans un petit creux, genre là, c'est pas mal. C'est juste vraiment pour pas que le bas de ma caisse soit touché. Parce que sinon, ça va pas me rapporter grand-chose de me mettre là. Peut-être qu'en avançant un tout petit peu plus, on peut voir que ma toile. Je sais pas jusqu'où elle monte. Ouais, elle montera suffisamment, je crois. Ouais, d'accord. Alors là, on a la WZ120. Je ne le connais pas, ce char. Avoir le nom comme ça, WZ, ça me fait surtout penser à la lignée des chars allemands. Maintenant, je ne suis pas sûr du tout. Tiger 2 tout près. On entend les moteurs des avions, donc franchement, on peut vraiment faire une petite sorte de roleplay avec ça. S'il voulait bien se montrer, j'aimerais bien lui mettre une pastos au Tigre 2. Pour l'instant, le char qui m'effraie le plus, c'est le WZ. Ça a un niveau 9. Je ne sais pas du tout ses caractéristiques. Et je crois qu'il pourrait me faire bien mal, étant donné que, dans mon hypothèse à moi, c'est un char allemand. Il y a son petit copain qui arrive. C'est un type éléphant celui-là, donc il peut faire extrêmement mal. Va falloir que je fasse gaffe à ces niveaux-là. Je ne les vois plus du tout. Je suis en première ligne, c'est très mauvais. Dispersion médiocre, hein, si, donc je l'ai loupé, malheureusement. Ici j'ai vu un quart de seconde, ça me semblait plutôt d'une tourelle de type russe. Plus qu'une tourelle de type allemand. Maintenant, le nom me fait vraiment penser à un truc allemand. Peut-être que c'est un chinois. C'est possible. Nom de Dieu! Je le loupe encore une fois. Très mauvais pour les affaires. Donc, ce char est plus qu'à 22% de sa vie. J'ai failli me faire dégommer par leur artillerie. 22% de sa vie, je crois qu'il y a peut-être moyen que je l'aille. Maintenant, à cause des autres chars, je suis obligé. Donc là, je l'ai touché, mais je ne l'ai pas percé. Bah, c'est un niveau 8. Le T26-4 est un très très bon char. Donc ça ne m'étonne pas que je ne l'ai pas percé, surtout au niveau de sa tourelle. La partie est, à mon avis, littéralement ratée. Oh, je trouve le son des explosions bien mieux fait qu'avant. C'est assez bizarre. Donc nous allons faire une ellipse et nous retrouver dans la deuxième bataille, en espérant qu'elle ne prenne pas trop de temps, que je puisse peut-être en faire une troisième. Donc voilà, nous faisons maintenant notre ellipse et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà, fin de l'ellipse. Alors je me suis un peu renseigné pour voir quelle charte c'était pour le WZ120, c'est un char chinois. J'ai donc repéré que c'était un char chinois avec une caisse pas adaptée pour sa tourelle. Donc une caisse avec un blindage médiocre comparé au blindage tourelle qui est énorme.
C'est un char chinois donc qui a été copié sur les Russes et sorti en quantité astronomique. Ou enfin pas mal quand même. Moins que le T-34, mais il est sorti en de très grande quantité. Je me perds. Donc si je n'ai pas sorti de vidéo ces derniers temps, c'était tout simplement parce que j'étais en vacances. J'ai aussi fait un peu de voile et je repars une semaine bientôt. Du coup, faut pas s'étonner si il n'y a plus de vidéo à un moment et que je doive attendre un peu avant d'en ressortir. Mais ça avait pas l'air de choquer grand monde, étant donné que j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal d'abonnés supplémentaires, malgré le fait que je n'ai pas sorti de vidéo en attendant. Donc voilà, c'était pas si dérangeant que ça. Je vais me mettre sur le côté là. Je ne sais pas ce qu'il y a devant. Du coup, voilà, j'étais en vacances, c'est pour ça que je n'avais pas sorti de... Merde, merde, merde. Ça fait mal. Hop. Donc, je vais repartir dans pas si longtemps que ça. Normalement, si ça se passe bien, si j'ai trop de boulot, bah, je pourrais pas y aller. Allez, viens, sors de là, toi. Ah, ils me font quand même extrêmement mal. Je vais essayer de me cacher un maximum pour pas faire subir ça à mon équipe. Premier char détruit de mon équipe, ça serait moi. C'est très très con quoi. Donc hop, ici je vais me retourner complètement parce qu'il y a un petit IS de ce côté-là et je vais voir si je ne peux pas aider un peu mon allié. S'il y a trop de charge, je ferai demi-tour. Hein. Un Tiger 1. C'est mauvais ça, le Tiger 1 dans le coin. Ah, il a eu sa cible. Je vais pas trop m'avancer, je vais rester sur la défensive pour le moment. Donc j'ai été au Glénan en fait, sur l'île d'Arts en Bretagne, qui est pas mal du tout. Franchement, c'était une très très bonne école, un peu poussée quand même, hein, mais... Une très bonne école que j'ai donc beaucoup apprécié. J'ai fait des vidéos de ce que j'ai fait là-bas, enfin quelques-unes, pas beaucoup, sur ma GoPro. Là, je vais voir si un montage est possible parce que voilà, j'aime bien ça. Alors, je peux vous en faire partager un peu. Ça ne, si ça vous ne dérange pas, hein, parce que moi, franchement, c'est une de mes premières passions, c'est la voile. Donc, si je peux partager ça avec mes abonnés, c'est tant mieux. Sinon, si ça vous intéresse pas, bah tant pis. Donc, je préconise quand même de le faire. Je vais me faire détruire. On parie combien? Ouh! Oh, coup de bol phénoménal! Je suis encore en vie. Bon, ça n'avait pas duré longtemps, donc c'est pas grave. Hein. 7-7, on a encore une petite chance de vaincre. Je vais continuer à regarder ça parce que j'ai vu les deux autres vidéos. Avec le temps que ça prend, on n'aura pas le temps d'en faire une troisième petite partie. C'est bien dommage, mais bon, c'est pas, c'est comme ça quoi. J'ai pas vraiment le choix. J'ai pas envie que ça dure non plus beaucoup trop longtemps la partie, sinon ça sera pas regardable. Hein. On m'a déjà dit je fais des vidéos trop longues. Du coup, j'essaye de faire des vidéos un tout petit peu moins longues. Pourquoi il regarde pas par ici lui? Ah, ça c'est con. Ah bah il avait sûrement des consommables. Oui, il faudrait vraiment que j'en achète des consommables. Ça pourrait fortement m'aider. Bien que je préfère en fait garder l'argent que les gens utilisent dans les consommables pour acheter de nouveaux chars pour pouvoir faire d'autres présentations. C'est pour ça que je n'utilise pas de consommables dans mes parties. Même quand je ne suis pas occupé à filmer, je n'utilise pas de consommables. Je n'en ai jamais utilisé jusqu'à présent.
Donc là, pas grand-chose d'intéressant. Et ils sont souvent très très loin. Hein. Pourquoi ils sont tous sur la frontière comme ça? Oui, ça a dû faire mal ça. Alors, un yes qui a aussi de belles formes, j'ai envie de dire. Bien qu'il est plus fait pour la résistance plutôt que pour la vitesse. Et fait quand même extrêmement mal, je trouve, le yes qui est très 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 bon. Bon, ben en fait, il se passe pas grand-chose, j'ai envie de dire. Là, on va bientôt perdre la partie parce qu'ils sont occupés à capturer notre camp. Il n'y a personne qui décide de bouger sauf le IS. Donc voilà, ça va se finir comme ça avec encore deux personnes. Je crois que les deux dernières personnes vont peut-être survivre. Ils sont relativement bien cachés. Lui, il est beaucoup moins bien caché, mais à mon avis, il va essayer de tenter quelque chose pour sauver la partie, bien que. Ça ne sert pas à grand chose vu le nombre d'ennemis qui restent en face. Il va juste tenter sa chance. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, je vais repartir en stage de voile dans pas longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a diminué d'un coup? Ah ouais, ils en sont peut-être sortis du rond. Il y a peut-être encore moyen de faire quelque chose. Donc, je vais repartir en stage de voile et là je suis presque sûr et certain que je vais faire une vidéo parce que je vais faire beaucoup de photos et un montage photo en vidéo avec une musique derrière, c'est beaucoup plus simple que de faire un montage vidéo avec plusieurs parties de plusieurs vidéos différentes. Du coup, au Cyrano, ça sera plus simple parce qu'il y a moins de vent. À l'île d'Arts, au Glénan, il y avait quand même pas mal de vent et donc pas moyen de faire de photos sur l'eau. Sur terre, il y avait moyen, mais quand je rentrais, j'étais un peu naze, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, j'avais pas moyen de faire quelque chose, quoi. Là, la partie va bientôt être finie. Le tigre, là, je sais vraiment pas ce qu'il fait. À chaque fois qu'il y a un ennemi qui passe à côté, il se met sur sa tranche et c'est tout, quoi. Allez, tue-le, 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 tue-le. Et t'as moyen de le tuer, vas-y. Ah ouais, d'accord, plus de rataliers de munitions. Mais il y a moyen que tu le détruises. Il est à 19%, je sais pas, fais quelque chose. Et l'autre, il est à 12. Bon, bah, explose si ça t'arrange. Hein. C'est pas grave, j'ai rien dit. Voilà. Donc, il y a le M6 Patton qui nous a dit GG, c'est gentil, mais on a quand même perdu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si en fait, à la fin, je ne disais rien d'intéressant. C'était vraiment juste pour documenter. Donc normalement, j'ai reçu 31 crédits, mais avec les réparations et le rechargement de mes munitions, je n'ai plus que à peu près 20 000 crédits. Ce qui est quand même pas mal, étant donné que j'ai quand même tiré quelques coups. Pas beaucoup, j'avoue. Et j'ai utilisé combien de munitions? Je sais pas. Ça pourrait être sympa de mettre le nombre de munitions à tir direct 2. Enfin, j'ai tiré 3 fois, en gros. J'ai tiré 3 fois et ça m'a coûté 3 000. Donc c'est à peu près 1 000 par tir. Et 8 000 pour réparer le véhicule entièrement. Donc ça va, il est quand même encore assez rentable comme charge, j'ai envie de dire. Malgré le fait qu'il se fait détruire assez facilement. Il y a quand même eu quelques rebonds. J'ai eu un coup de bol à un moment, mais bon, le char qui arrive derrière, ça m'a complètement ruiné mon coup de bol. Du coup, bah voilà. On a un char quand même assez bon, malgré que je l'aime pas trop. Parce que la dispersion fait qu'il n'est pas jouable à distance. Et moi, je joue souvent à distance et ou avec de la résistance. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos.